On passe à le deuxième exemple. Donc le deuxième exemple, c'est un composé qui contient la fonction carbonyl, c'est liaison O, un CH2 5 fois et un CH3. Donc il demande de écrire c'est-à-dire cette représentation semi-développée en représentation développée. Donc, quand la représentation topologique, par exemple, Donc, cette composée elle contient la fonction carbonyle ou bien le groupe mot carbonyl, s'appelle groupe mot carbonyle d'accord Et deux substituants R et R', d'accord Par exemple, c'est R, de la partie c'est R', c'est-à-dire c'est sous forme de R C double liaison. R' avec R et R' sont différentes de H. D'accord Donc, on parle dans ce cas de la famille, donc famille des D'accord Famille des cétonnes. Donc, pour la nomenclature, donc, on substituait, on substituait E final d'alcane, E final d'alcan par on d'accord donc ceci implique que la, la nomenclature des composés citons se forme d'un alkanon avec il faut indiquer la position de la fonction ou bien du groupement on donc pour le choix de la chaîne donc il faut choisir donc il faut choisir la chaîne principale la chaîne principale qui contient qui contient le max d'accord de nombre d'atomes de carbone de nombre d'atomes de carbone avec c'est à dire la fonction carbonyl cette con le carbone du groupe de carbone c'est-à-dire dans la chaîne principale donc pour la numérotation donc la numérotation c'est-à-dire côté le plus proche le plus proche de CO donc on va l'exercice qui est de la représentation topologique Maintenant, on va faire le on va la représentation topologique et en plus on va la nomenclature de, de ce composé donc le CH3C Doublisons O, CH2, 5 fois CH3. Donc la chaîne principale dans ce cas, il est facile, d'accord C'est-à-dire cette chaîne linéaire correspondant à la chaîne principale, à la chaîne principale. Donc pour la numérotation, le côté le plus proche de CO. donc c'est 1, 2, donc 3, jusqu'à... C'est-à-dire combien d'atomes de carbone Donc 6, 5, c'est-à-dire 3 plus 5 jusqu'à 7, 8. C'est 1, 2, plus 5, 6, 7, plus 1, c'est 8 atomes d'atomes de carbone. Si par exemple, dites-moi à côté, 1 plus 5, 6, 6, 7, 8, c'est-à-dire le groupement carbonique la position 7. Donc, c'est-à-dire de gauche, plus favorable par rapport à, c'est-à-dire de côté à droite. Donc le nombre d'atomes de carbone N. Égal à 8, implique si par exemple c'est un alcan, c'est octane, mais puisque c'est un cétone, on va remplacer E d'alcane par ON. On parle d'un octanone, il faut indiquer la position de la fonction carbonyl, l'égalité la position 2. Donc pour la nomenclature de ce composé, c'est octane, d'accord, bleu E de ON. Donc c'est la nomenclature de ce composé. Donc, Octane indique que la chaîne contient 8 atomes d'atomes de carbone. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et dans la position 2, par exemple, on a le groupement carbonyl. D'accord Donc c'est la représentation topologique représentation. topologique et la représentation, c'est-à-dire de départ, c'est une représentation semi-développée. On passe à le troisième exemple, d'accord Donc pas de problème, on passe à le troisième exemple. Donc pour le troisième exemple, on a ce composé, c'est CH3, un CH2, d'accord C'est. OH, 1CH3 et 1CH3, d'accord Donc, ce composé, il contient le groupe hydroxyle, d'accord OH s'appelle le groupe mot c'est-à-dire s'écrit sous forme de R, -O -h. Donc, c'est un alcool, c'est-à-dire la famille des alcools. Donc, c'est un alcool tertiaire pourquoi c'est un alcool tertiaire puisque le carbone alcoolique il a la fonction OH lié à trois atomes de carbone CH2 CH3 et CH3 on parle d'un alcool de classe 3 c'est un alcool tertiaire donc pour la nomenclature des alcools en général donc en général c'est-à-dire il faut choisir Il faut choisir la chaîne qui contient d'accord le max de nombre d'atomes de carbone, du nombre d'atomes de carbone avec, c'est-à-dire le groupement, ou bien le carbone euh, alcoolique. C'est-à-dire euh, qui porte la fonction OH dans la chaîne principale. Donc pour la numérotation, ou bien la chaîne principale dans ce cas, donc soit 1, 2, 3, soit 1, 2, 3, 4, ou bien 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 4. C'est-à-dire une seule possibilité, ou bien une seule chaîne qui contient 4 atomes de carbone avec le carbone alcoolique, c'est-à-dire euh, appartient à la chaîne principale, et un seul... Substituant dans ce cas c'est le méthyle donc CH3 c'est un substituant dans ce cas donc CH3 comme substituant s'appelle méthyle la numérotation côté plus proche de OH donc côté le plus proche de OH d'accord donc, si par exemple, Bétima de l'autre côté, c'est 1, 2, 3, 4. Bétima de l'autre côté, c'est 1, 2. Donc, 1, 2, 3 et 4. Par rapport à OH, n'est pas substitué. Ça fait. Donc, la numérotation, ça par rapport à OH. Dans ce cas, les c'est-à-dire le substituant OH, j'offre la position 2. <coughs> donc, un seul substituant, c'est 2 méthyl D'accord 2 méthyl et la chaîne principale contient, d'accord, contient quatre atomes de carbone, c'est butane. Et la fonction alcool, sur la position 2, c'est butane de ol. D'accord Donc, c'est 2 butane de ol Mzien. C'est 2-méthyl-butane-de-ol. Donc, allez, c'est une représentation semée développée. Donc, c'est semée l'eau. Donc, on passe à la représentation topologique telle que dans ce cas, la chaîne principale c'est butane, c'est-à-dire contient quatre atomes de carbone, d'accord C'est 1, 2, 3 et 4, quatre atomes de carbone. Si par exemple, dit la numérotation de l'autre côté, elle dit à la position 2, par exemple, contient, la fonction, contient le groupement méthyl ou bien euh, contient la solution méthyl et contient OH, tout simplement. Donc, c'est une représentation Représentation topologique. Donc, plus important, c'est un exercice simple, c'est-à-dire, elle a la représentation topologique, puisque la nomenclature d'elle de est composée, soit, euh, c'est-à-dire, euh, contient une seule fonction ou bien polyfonctionnelle. Donc, euh, le plus simple, c'est la représentation topologique. Voilà. Donc, et bon courage. Donc, s'il si y a par exemple des questions. Et bon courage.